Le chiffonnier est le personnage central du 19e siècle. Bonjour. Il n'y aurait pas de 19e siècle sans le chiffonnier. D'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, d'un point de vue littéraire. Comment empezó a interesarse en la literatura? C'est une grande question. J'enseigne la littérature depuis beaucoup d'années maintenant, plus de 40 ans. Je continue à le faire avec beaucoup de passion. Ben, je crois que ce qui mène à la littérature, c'est d'abord la lecture. Il faut être un lecteur pour s'intéresser à la littérature. Bon, j'ai la chance d'appartenir à une génération pour laquelle il n'y avait pas encore trop de distractions. Donc on s'ennuyait. On s'ennuyait pendant les grandes vacances et ben, on lisait. Dans les années 70, il y avait quelques grands maîtres à Paris dont on pouvait suivre l'enseignement. Et bon, ça menait en effet une vocation et une carrière littéraire. Mais je crois qu'il faut d'abord dire que c'est la lecture qui importe, qu'il faut d'ailleurs défendre aujourd'hui. Et on ne peut pas s'intéresser à la littérature si on n'est pas un grand lecteur. Mais c'est mon tour de vous poser une question, alors, pour commencer. Comment avez-vous choisi de vous intéresser à la littérature française, en particulier en Argentine ? Lo que ocurre en general con la literatura argentina es que toda la cultura y la literatura argentina están organizadas en gran medida alrededor del hecho de la traducción. Me parece que lo que me llevó a la literatura francesa es en gran medida el interés por las literaturas comparadas, digamos en plural, y por el fenómeno de la traducción y de la mediación que hay en esas traducciones. Usted escribió un libro muy importante sobre estos escritores tan difíciles de definir que serían justamente los antimodernos. ¿Qué es un antimoderno? Il y a un certain nombre d'années, j'avais publié un livre qui s'appelait « Les cinq paradoxes de la modernité ». Et c'était sur cette idée du caractère paradoxal de la modernité. La modernité qu'on peut définir assez simplement par le culte du nouveau. Et c'est ainsi qu'elle s'oppose à la tradition littéraire, la tradition esthétique, jusqu'au milieu du 19e siècle à peu près. C'est un mot qui a été inventé par Baudelaire, la modernité, et cela signifie que le renouvellement s'impose. Il y a une sorte d'impératif du renouvellement dans les arts et dans les lettres, comme dans la technique. Et c'est paradoxal puisque, au fond, la modernité est immédiatement dépassée dès demain. Et il y avait, dans ces paradoxes de la modernité que j'étudiais, il y en avait un qui manquait. Je me suis aperçu des années après qu'il y avait un paradoxe fondamental qui était que les vrais modernes étaient ceux qui, en eux, avaient en quelque sorte une résistance à la modernité. Ils savaient que tout progrès impliquait un regret, impliquait une certaine nostalgie. Pour être vraiment moderne, il faut avoir un certain tempérament anti-moderne, savoir ce qu'on perd, être conscient de ce qui disparaît avec la modernité. Nous sommes tout le temps en train d'oublier, de laisser disparaître des choses. Lorsque Sartre parlait de Baudelaire, dans son petit essai sur Baudelaire, il lui reproche d'avancer en regardant dans le rétroviseur. Et pour Sartre, c'est vraiment
une condamnation. Ça veut dire que Baudelaire ne fait pas partie de l'avant-garde, ceux qui foncent vers l'avant sans se soucier de ce qu'on oublie, de ce qui meurt. Et moi, je dirais au contraire que c'est ça qui est beau chez des vrais modernes comme Baudelaire, c'est cette conscience de ce qui se passe derrière le rétroviseur, de ce qui se passe en arrière. Je trouve que c'est ça qui définit un vrai moderne. Il va de l'avant et je pense qu'il vaut mieux regarder vers l'arrière aussi en allant vers l'avant. Alors, pour moi, je dirais, tous les vrais modernes sont anti-modernes. Et les autres, ce sont des modernes aveugles, ce sont des modernes, aveuglés par le futur. Et je crois qu'il faut faire une distinction très nette entre un moderne et ces modernes que je dirais inauthentiques qui n'ont pas le souci de ce qui disparaît. Je voyais chez les grands modèles de la modernité comme Baudelaire ou comme Chateaubriand à la fois cet engagement dans l'histoire, dans le présent. Baudelaire dit la modernité, c'est le présent. C'est être dans le présent, c'est parler du présent. Il songe à Stendhal. Stendhal qui disait, après la Révolution française, on ne peut plus nous donner l'art d'avant la Révolution. L'histoire a profondément transformé les hommes, les femmes, les mentalités, il faut un autre art. Y la diferencia entre un antimoderno y un reaccionario. ¿Cómo marcar el límite entre antimodernidad y reaccionario? Y otra pregunta, ¿cómo marcar el límite entre antimodernidad y revolución conservadora? Un antimoderno sait qu'on ne retournera pas en arrière. Le réactionnaire, c'est celui qui pense qu'on peut retourner en arrière. C'est celui qui pense qu'on peut restaurer l'ancien régime. Il y a des théoriciens au XIXe siècle de la contre-révolution qui pensent que l'ancien régime, eh bien, c'était le bon temps, c'était ce qu'il faut donc à présent retrouver. L'antimoderne, c'est... L'antimoderne a conscience de l'histoire. Il est dans l'histoire, il est dans le présent. Il sait qu'on ne refait pas le passé. Donc, pour moi, l'antimoderne n'est pas du tout un réactionnaire. Et je dirais la même chose d'une révolution conservatrice. Je crois que, là aussi, je dirais, les vrais antimodernes sont... ils avancent en dépit d'eux-mêmes, un peu malgré eux. Bon, j'ai parlé de Baudelaire, qui pour moi est un peu le prototype de inventeur de la modernité et prototype de l'antimoderne. Et si on me demandait un exemple en peinture, je citerais Manet. Manet qui est un artiste révolutionnaire, mais qui est révolutionnaire, je dirais, un peu malgré lui. Et je crois que c'est ça qui est intéressant chez beaucoup des vrais modernes, c'est qu'ils ont, j'ai envie de dire, beaucoup lu, qu'ils transportent aussi le passé et qu'ils cherchent dans le passé, comme dit Baudelaire, ils cherchent dans le présent ce qui est digne de l'éternité, dit-il. ¿Piensa que de alguna forma usted como crítico es un antimoderno teniendo en cuenta otro tipo de corrientes críticas que hay en este momento? J'ai été formé à la grande époque de la théorie littéraire. Mon éveil à la littérature, aux méthodes, à la critique, c'est les années 70. C'était donc les années de
de la poétique, de la narratologie. J'ai été un élève de Roland Barthes. Donc, j'ai, pendant toute cette période, été un, comment dire, étiqueté, si vous voulez, comme un théoricien de la littérature. Et pendant très longtemps, j'ai enseigné la théorie de la littérature. Quand j'étais professeur aussi bien aux États-Unis, à Columbia, qu'à la Sorbonne, j'ai longtemps fait un cours de théorie de la littérature, ce qui a donné lieu à ce livre qui s'appelle « Le démon de la théorie », qui est, au fond, l'essence de ce que j'ai pu enseigner pendant un certain nombre d'années. Alors, il est vrai que j'ai enseigné donc, ces courants, mais aussi avec une certaine distance relative à ces mouvements théoriques, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce qui est important dans la littérature, c'est la lecture. Et c'est la lecture des œuvres dans leur individualité, des œuvres une par une. Et donc, ce qui m'intéresse dans la théorie, c'est ce qui me permet de mieux lire chaque œuvre individuelle plutôt que d'élaborer des universaux de la littérature, des généralités. Alors, il est vrai que, peu à peu, j'ai pris une certaine distance par rapport à sa théorie de la littérature qui pouvait être considérée comme un mouvement d'avant-garde, une dernière avant-garde. Et j'ai fait de la philologie, j'ai fait des éditions critiques. Et je pense qu'il est important de faire de la philologie, d'éditer les textes que nous lisons. Ils ne tombent pas du ciel. Et lorsqu'on est philologue, on a le souci de donner les meilleurs textes, de les expliquer tant qu'on peut le faire. Et on s'intéresse vraiment à chaque texte individuel. Et puis, je suis aussi critique. Le critique, c'est celui qui juge. Hein, la chaire que j'occupe au Collège de France, je lui ai donné comme titre théorie, histoire, critique. Et je crois que c'est vraiment les trois pieds du tabouret sur lequel on peut s'asseoir pour enseigner la littérature. Hein. Il faut avoir une culture théorique, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait, au fond, quand on le fait. Il faut avoir un souci historique, parce que les œuvres littéraires sont inscrites dans l'histoire. Et je pense que aussi, quand on enseigne, on doit pouvoir expliquer les œuvres par l'histoire, par le contexte. Et il faut avoir un souci critique, c'est-à-dire un souci de la valeur, de la qualité. Il ne faut pas hésiter à juger les œuvres. Le critique, c'est d'abord celui qui juge et qui dit « ça c'est bien, ça c'est moins bien ». Yo siempre pienso en una cosa que decía Oscar Wilde en El Crítico como Artista, que él decía que es más fácil escribir una obra que hablar sobre ella. Entonces, ser crítico, según Oscar Wilde, es mucho más difícil que ser autor. Entonces, uno a veces tiene la sensación de que hay cierto discurso antiacadémico que pone al crítico en segundo lugar. Y muchas veces, me parece, uno a veces tiene la sensación de que el arte de la crítica a veces es un arte mucho más difícil quel art de la littérature. Moi, je dirais que pour être écrivain, il faut être un peu bête. C'est Flaubert qui disait que publier, c'est une bêtise. Dans la modernité, il y a cette idée que le meilleur écrivain, c'est l'écrivain en puissance. C'est celui qui ne publie pas. Hein? D'où le culte de l'écrivain rare contre l'écrivain prolixe. Bon, si je compare, par exemple, Victor Hugo et Baudelaire, pendant toute une longue période, c'était Victor Hugo qui a triomphé. Chaque année, Victor Hugo écrivait à peu près l'équivalent de toute l'œuvre de Baudelaire. Et Victor Hugo est poète. Bon, évidemment, il vit beaucoup plus longtemps que Baudelaire. Il couvre une période beaucoup plus longue,
des romans, des essais. Il écrit tout. Pendant longtemps, il n'y avait pas vraiment d'hésitation. C'était Hugo, le grand poète. Et puis peu à peu, les choses se sont renversées et nous avons cultivé des écrivains rares, intelligents. Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, le silence de Rimbaud est devenu l'idéal de la poésie. Le silence est l'idéal de la poésie dans la modernité. Et on aboutit à M. Teste de Valéry qui dit « La bêtise n'est pas mon fort » et qui valorise la littérature potentielle. Chez tout écrivain qui publie, il y a l'acceptation d'une certaine bêtise. Mais c'est beau aussi d'accepter sa bêtise, d'accepter de n'être pas trop intelligent. L'homme ou la femme trop intelligent n'écrit pas, mais peut-être qu'il se contente de faire de la critique, justement. Quería preguntar por su último libro, Le Chiffonnier de Paris. C'est un livre très différent de tous ceux que j'ai fait jusqu'à présent, mais en vérité, je n'aime pas trop me répéter, donc chaque livre est assez différent des précédents. C'est un livre très différent parce que, d'abord, il est illustré, il a beaucoup d'illustrations. Il faut dire qui est ce personnage du chiffonnier. Le chiffonnier, ce que vous appelez... en espagnol, trapero. Historiquement, c'est celui qu'on appelle trapero qui ramasse les chiffons pour faire du papier tant que l'on ne sait pas faire du papier avec le bois. Sí, otra cuestión que a mí me impresionó mucho es esta pelea constante, ¿no? Esta polémica que es que me parece muy interesante seguirla en sus distintas modulaciones. Que hay justamente con el libro de los pasajes, ¿no? Con Benjamin, con lo que se llama el libro de los pasajes. Bueno, hay todo un problema filológico ahí que no, digamos, no nos vamos a meter. Ahora, en el 2013, Agamben sacó una nueva edición que después fue traducida al francés, la primera en italiano, después al francés. Pero es muy interesante, me parece a mí, cómo esta suerte de agón crítico, ¿no? Que usted tiene con Benjamin. Que también se dedicaba a la figura del chiffonier. Y que, digamos, una sola cuestión que es, que a mí me llama mucho la atención, digamos, la diferencia, que es un agón crítico que parece ser algo, una discusión filológica, pero que en el fondo es una, me parece a mí, es una discusión metodológica en torno a qué hacer con la literatura, con esta relación entre literatura y sociedad. Alors, je ne dirais pas polémique, et je ne dirais pas polémique avec Benjamin, parce que j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour l'œuvre de Benjamin, et il est vrai que Benjamin a fait d'immenses lectures sur cette période. Il est vrai qu'il a dégagé l'importance de ce personnage du chiffonnier dans l'œuvre de Baudelaire. Mais j'ai des, comment dire, désaccords avec Benjamin dans l'interprétation qu'il propose, dans ses articles divers, dans les implications qu'il tire de cette comparaison entre Baudelaire et le chiffonnier, et qui sont des implications politiques. Et ces implications politiques ont été reprises par toute une école benjaminienne qui voudrait à tout prix faire de Baudelaire un révolutionnaire bien après 1848. Il voudrait faire de Baudelaire un partisan de la classe ouvrière, du prolétariat, tard, sous le Second Empire, alors que Baudelaire se réclame d'une pensée
catholique et contre-révolutionnaire. Cela me semble reposer sur un malentendu qui concerne notamment cette figure du chiffonnier. Benjamin fait du chiffonnier un homme des barricades. Or, le chiffonnier du XIXe siècle est bien plutôt un auxiliaire de la police. C'est un homme d'ordre. Durant les journées révolutionnaires, il est au chômage technique. Dans Les Misérables de Victor Hugo, lorsque Gavroche se rend aux barricades révolutionnaires républicaines en 1832, en chemin, il rencontre une chiffonnière et entre Gavroche et la chiffonnière, il y a une altercation. Et la chiffonnière est réactionnaire. Elle veut l'ordre. La chiffonnière est partisan du régime que ce jeune homme est en train de vouloir faire tomber. Donc c'est ça, les accords que j'ai. Il me semble que cette interprétation politique et sociale repose sur quelque chose comme un malentendu relatif à cette figure du chiffonnier. A mí lo que me impresionó mucho del libro, en realidad es la arquitectura del libro, ¿no? Porque empieza con toda una serie de disquisiciones casi urbanísticas y termina, en realidad, prácticamente con el análisis de dos poemas. Y no de dos poemas, sino incluso de dos versos, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy interesante el método, o sea, pasar de una gran panorámica a finalmente una cuestión filológica, pero que requiere toda esta panorámica, ¿no? Entonces es pasar como del urbanismo, o sea, de este mundo material, a un pequeño detalle filológico. Es como un recorrido, interesante. Je crois qu'on peut dire que le point de départ de ce livre, ce sont des vers. Ce sont quelques vers de Baudelaire que je ne comprenais pas, que je ne m'expliquais pas bien, qui restaient pour moi depuis toujours surprenants. Et pour comprendre ces vers de Baudelaire, il fallait faire tout un détour philologique, comme vous l'avez dit, par l'histoire économique, par l'histoire sociale, par l'histoire urbaine, et les mieux comprendre. Et bon, ça veut dire aussi que je n'ai pas du tout renoncé à ce qui était la textualité de ma jeunesse, la textualité qui était le courant à la mode dans les années 70, ce qu'on appelait en anglais « close reading ». Il fallait aller vers le close reading avec le « new criticism » américain. Il fallait, avec les critiques français, faire des lectures structurales. Je crois que je n'ai pas renoncé à ça. Alors que beaucoup de critiques aujourd'hui sont ceux que vous évoquiez, les écoles sociologiques sont très loin de la lecture rapprochée, de ce close reading. Moi, je reste un partisan de la lecture très rapprochée, ou en France, ce qu'on a pu appeler à d'autres périodes l'explication de texte. Et cela dit, il me semble que pour expliquer des textes, eh bien, il y a beaucoup à savoir sur le contexte. Et donc, il y a dans ce livre une assez grande contextualisation, mais il m'a semblé que quand je tirais le fil du chiffonnier dans les représentations du XIXe siècle, eh bien, soudain, beaucoup d'éléments qui étaient restés obscurs dans cette littérature s'éclairaient et devenaient même presque évidents. Incontestable. C'est un livre sur ce personnage et qui soutient que ce personnage est central pendant un certain moment de l'histoire, ce moment qui se trouve justement coïncider avec la carrière de Victor Hugo et de Baudelaire. L'œuvre de Victor Hugo, elle s'étend de 1820 à 1885. C'est exactement le moment de la gloire du chiffonnier. Et Baudelaire est né en 1821. Il meurt dans les années 60. Et
lui aussi, il n'a connu que ce moment de gloire du chiffonnier qui ramasse les chiffons pour faire du papier à un moment où la demande de papier croît avec la diffusion de la lecture, la diffusion de l'éducation, la presse. Donc il y a besoin de papier et le chiffonnier est essentiel pour l'économie, il est essentiel pour la culture, il est essentiel dans la société. Bon, c'est un livre différent de tous les autres parce que c'est un livre, on pourrait peut-être le qualifier d'histoire culturelle. On parle assez souvent de cette discipline aujourd'hui. Je ne sais pas très bien de quelle discipline il relève, ce livre. C'est de l'histoire, c'est de l'histoire sociale, puisque ce personnage appartient à la société. C'est de l'histoire de l'urbanisme, puisqu'il s'agit de la ville de Paris, l'histoire de Paris, puisque c'est encore un livre d'histoire des images, puisque le chiffonnier est très abondamment représenté dans les gravures, dans la peinture. Et puis, c'est un livre de critique littéraire, puisque ce détour par le personnage du chiffonnier permet de mieux comprendre, je crois, beaucoup de la littérature du 19e siècle où ce système du chiffonnage est présent. Ça permet de comprendre mieux des poésies de Victor Hugo, des poésies de Baudelaire. Ça permet de comprendre mieux ce que l'on peut trouver dans les œuvres de Flaubert ou des écrivains réalistes de l'époque. Quisiera quizá que nos amplíe un poco esto de esta relación entre el nombre chiffonnier y la revolución en el 89. Oui, le chiffonnier est un personnage important de la Révolution. On trouve beaucoup de textes où il est fait allusion à lui parce qu'il symbolise le renversement du monde. Claro. On a beaucoup d'anecdotes que je rappelle où un aristocrate se fait éclabousser par un chiffonnier qui le chiffonnier ramasse le chiffon dans la boue, il éclabousse l'aristocrate, et l'aristocrate, après 89, ne peut plus donner une raclée au chiffonnier parce que le chiffonnier est son égal. Donc le chiffonnier représente véritablement l'égalité de la Révolution. Et c'est pourquoi il devient cette figure carnavalesque ou cette figure du renversement des valeurs. Il représente la roue de la fortune. La tête du roi tombe dans un panier à l'échafaud. Et ce panier est comparé au panier du chiffonnier. Le chiffonnier a un panier derrière son dos où il met tout ce qu'il récolte dans les rues de Paris. Et c'est pourquoi ce thème est si présent à travers le siècle de la couronne est dans le panier du chiffonnier. Quand on représente le panier du chiffonnier, jusqu'au bout du siècle, il y a une couronne qui dépasse. Il y a une couronne et il y a Cupidon, l'amour. L'amour et le pouvoir que l'on retrouve dans les rues de Paris qui tombent. A mí una cosa que me impresionó muchísimo del libro es el retorno de un registro alegórico. Lo primero que le dicen a uno cuando empieza a estudiar literatura del siglo XIX es que a partir del romanticismo lo que hay es una gran desvalorización del modo de representación alegórico. Sin embargo, más bien lo que parecería, primero que hay una supervivencia del modo de representación alegórico en la literatura, y también hay un desplazamiento del modo de representación alegórico también, por ejemplo, hacia la caricatura. Entonces, una de las zonas que me resultaron como muy interesantes de su texto, es justamente este estudio de un modo de representación que uno, seguramente por prejuicio, considera desvalorizado en el siglo XIX, porque los románticos decían, bueno, no a la alegoría porque es un modo que no es orgánico. Alors, il y a la dimension allégorique, le chiffonnier, allégorie de l'écrivain, le chiffonnier, allégorie du roi, alter ego de l'écrivain, alter ego du roi, mais est-ce que c'est ça qu'on trouve dans la caricature, mais dans des représentations populaires. Mais je dirais que ce n'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant quand on regarde l'œuvre de Victor Hugo ou l'œuvre de Baudelaire,
justement, c'est la textualité, c'est le réseau descriptif, l'ensemble des termes qui ne sont pas vraiment allégoriques, claro, mais qui relèvent du système du chiffonnage et qui nous montrent que cette représentation est présente, mais pas seulement allégoriquement. Elle est là dans les mentalités profondes. On oppose traditionnellement l'allégorie et le symbole, mauvaise allégorie et bon symbole. Et on voit apparaître dans les œuvres du XIXe siècle un chiffonnage qui est plutôt de l'ordre du symbole. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement pédagogique, pas nécessairement démonstratif. Et à ce moment-là, on peut dire, cette fois-ci, tout à fait d'accord avec Benjamin, qu'il y a une revalorisation d'un autre type d'allégorie. Bueno, Antoine, antes de pasar a nuestro último autor, que es Proust, sobre el cual dio una conferencia, quisiera que leyéramos los versos de Baudelaire, a los cuales, bueno, hacíamos referencia recién, acerca del chiffonnier. Dans Les Fleurs du Mal, il y a deux poèmes où il est vraiment question du chiffonnier. Bon, le premier, c'est Le vin des chiffonniers, dont voici les premiers vers. Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferments orageux, on voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butant et se cognant au mur comme un poète, et sans prendre souci des mouchards ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projet. Et l'autre poème, c'est Le soleil. Si, El sol. Por todo el barrio viejo, donde en las casas cuelgan las persianas, abrigo de secretas lujurias, cuando el sol cruel pega con rayos redoblados sobre la ciudad y los campos, sobre techos y trigos, voy a ejercitarme solo en mi fantástica esgrima, oliendo en todos los rincones el azar de la rima, tropezando con palabras como con adoquines y dando a veces con versos hace mucho soñados. Bueno. Y ahora sí, podemos pasar, finalmente, después de haber leído estos versos tan importantes de Baudelaire, a nuestro último autor, que es Proust. Usted hablaba acerca de Proust y la canonización, ¿no? ¿Cómo leer a Proust más allá de la canonización, antes de la canonización? C'est difficile de lire un écrivain consacré comme Proust sans être en quelque sorte déjà informé de beaucoup de choses à son sujet, de clichés. Nabokov disait qu'on ne peut pas lire un écrivain, on est condamné à le relire, parce que quand on l'aborde, on sait déjà qu'il y a cet épisode fameux de la Madeleine, trempé dans le thé de la mémoire involontaire. Et moi, j'aimerais bien relire La recherche du temps perdu, comme je l'ai lu la première fois quand j'étais adolescent, ou comme les premiers lecteurs l'ont lu en 1913, en n'y comprenant rien, parce que c'était un livre déconcertant. Il faut se rappeler que la plupart des contemporains, les amis de Proust, trouvaient que, par exemple, que le titre du côté de chez Swann était affreux, horrible. Ils trouvaient ça, l'un disait que c'était quelconque et inconcevable. Proust se demande, devant cette critique, si c'est même du bon français. Alors, on a du mal aujourd'hui, parce que le titre est devenu tellement canonique, gravé dans le marbre. Alors, bon, il y a effectivement eu beaucoup de générations de lecteurs de Proust depuis le début, mais il me semble que cette canonisation, elle est somme toute assez récente. Elle vient des années 60, de la société de consommation. Proust était lu jusque-là dans un milieu assez restreint. On peut dire aussi que dans la première période, Proust est
plutôt un auteur de droite. Il est associé à l'aristocratie, il est associé au snobisme. Et puis, dans la période qui a suivi, à partir des années 60 certainement, il est devenu un auteur, je dirais, plutôt de gauche, parce qu'il est considéré comme moderne, même d'avant-garde. Il y a beaucoup de critiques modernes, comme Gilles Deleuze, comme Roland Barthes, comme Maurice Blanchot, comme Georges Bataille. Tout cela s'empare de Proust et ils en font un écrivain qui va plutôt dans le sens du mouvement. Alors qu'auparavant, des auteurs comme Céline ou comme Sartre considéraient que Proust, c'était l'Ancien Régime. C'était le passé qu'il fallait s'en débarrasser. Sartre a des phrases très sévères pour Proust, même si, clairement, Sartre a été très marqué par Proust. Mais pour lui, c'est vraiment une autre époque. Uno de los temas fundamentales de Proust es el esnobismo dentro de su propia obra. Y hay alrededor de la propia recepción, ¿no?, de la obra de Proust toda una serie de cuestiones justamente en torno al esnobismo. Si lo leen pocos, si lo leen muchos, ¿cuál es la lectura teórica adecuada, ¿no?, y cómo ir, digamos, dejando atrás a los viejos snobs? Alors, il est clair que ce préjudice du snobisme a nuit à la lecture de Proust dans les années 30 et les années 40. Qui sont les années du roman de Malraux, les grands romans français de l'époque, considèrent que ce milieu restreint dans la recherche du temps perdu, la classe ouvrière n'est pas représentée. Ce sont des oisifs. On a dit à l'époque que dans la recherche du temps perdu, on ne voit jamais les gens travailler. Le docteur Cottard, on ne le voit que dans les soirées chez les Verdurin. Personne ne travaille. Sauf Françoise, la domestique. Donc il y a eu des attaques, je dirais, un peu de classe contre ce roman bourgeois. Et au fond, il me semble qu'à partir des années 50, des années 60, il y a eu une assez forte corrélation entre la diffusion de l'œuvre de Proust et la diffusion de la psychanalyse, la diffusion du freudisme, comme Freud... Proust parle de l'enfance, et l'enfance est devenue un thème très important de la réflexion, de l'actualité. Il parle de la sexualité de manière franche, brutale même parfois, et tout ça l'a rendu, je dirais, beaucoup plus d'actualité à partir d'un certain moment, dans les années 60, qui sont celles de mon adolescence. Moi, je résume ça un peu en disant... pendant les années 30 et 40, où Proust était un petit peu au purgatoire, si on le lisait, c'était bien qu'il ait été juif et homosexuel. Et puis à partir des années 70, je dirais, au contraire, on se met à le lire parce qu'il était juif et homosexuel et que c'est une raison, à ce moment-là, de son attrait. Ce qui lui portait préjudice devient ce qui était un handicap devient vraiment un avantage dans notre modernité. Et je crois que de cette modernité, on n'est pas encore sorti. C'est-à-dire que Proust est un auteur qui, je dirais, dans presque toutes les langues aujourd'hui, est pleinement d'actualité. Et la preuve, c'est que dans beaucoup des grandes langues, on refait en ce moment des traductions de Proust. Sí, es muy interesante. Además, cómo hay nuevos esnobismos ahora, ¿no? En relación, digamos, a la figura de Proust y a cómo, digamos, al menos acá en Argentina, en determinado momento, en realidad Proust se leía con determinada teoría, quiero decir, ¿no? Siempre había esa pareja Proust, Deleuze, Proust y cierta oui. teoría que me parece muy interesante, ¿no? También. Y il est lu dans cette constellation. Tout à fait moderne qui est apparu, mais au fond, peut-être que ça n'exclut pas un certain snobisme de la part de ceux qui lisent Proust, parce que Proust reste, comment dire, un facteur de distinction. C'est très chic de dire « j'ai lu Proust » à peu près dans tous les milieux, donc c'est un... Bon, ça reste...
ça reste un peu snob. Sí, no, yo en ningún momento hablaba del snobismo como una crítica. Incluso quería hasta un poco ser elogioso con el término. Digamos, también, para los, por un lado, para los snobs de, digamos, retratados en la novela de Proust, y también para los snobs, digamos, que lo leemos ahora. Oui, les gens le lisent pour des raisons qui sont très diverses. Bon, je crois que certains ont peur de le lire, hein, parce qu'on nous rappelle toujours que ce sont des phrases très longues. Moi, j'essaye toujours de dire, quand je parle de Proust, que c'est un livre où il faut rire. C'est un livre comique. C'est aussi une façon de le désacraliser. On admire Proust, on révère Proust, et je crois que beaucoup des premiers lecteurs n'osent pas rire en le lisant, n'osent pas s'amuser en le lisant. Il y a un peu cette religion de la littérature, puisque dans l'œuvre de Proust, il y a une conception sacrée, religieuse de la littérature. Il n'empêche que c'est un roman comique. Et j'aime bien rappeler que c'est l'un des rares romans modernes qui se termine bien. La plupart des romans modernes sont des romans du désastre, sont plutôt des romans tragiques. Et La recherche du temps perdu fait exception. Après une très très longue période où le narrateur aurait voulu être écrivain mais ne savait pas comment, avait échoué, eh bien, il a cette révélation finale qui fait qu'il pourra écrire un livre, peut-être pas le livre qu'on a entre les mains, mais en tout cas, il a découvert comment devenir écrivain. Es buenísimo porque en realidad, digamos esto que hablábamos antes, ¿no? De la imposibilidad de escribir. No, Proust termina diciendo puedo escribir. Voilà. En effet, cela confirme là aussi ce que je disais tout à l'heure. Pour écrire, il faut accepter un peu de bêtises. Hein. Si on est trop intelligent, on n'y arrive pas. Et en effet, il y a 3000 pages d'impuissance. Oui. Et puis, la découverte du mécanisme qui permet d'écrire le roman et qui est la métaphore. C'est peut-être un peu artificiel que cette théorie, mais en tout cas, on a un roman qui n'est pas un roman de l'impuissance, c'est pas un roman, c'est pas une œuvre. Proust parle à propos de Swann, puisque Swann c'est son anti-modèle, il parle de ceux qu'il appelle les célibataires de l'art. Cette expression de célibataire de l'art est très importante puisqu'elle désigne tout à fait précisément ces écrivains potentiels. Claro. Ce monsieur test, être supérieur, mais dont l'œuvre est en puissance. Pour Proust, c'est Swann, le célibataire de l'art. Bueno, Antoine, te quería, o le quería más bien, agradecer por haber compartido este diálogo transatlántico. Así que espero que haya sido grata su estadía acá en Buenos Aires. Ben, merci, merci beaucoup de votre invitation, de ce séjour en Argentine. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir et peut-être de revenir ici. ¿Por qué no? ¿Por qué no?